Les jardins Bahaï, l'un des lieux caractéristiques de Haïfa et l'un des plus beaux endroits de la région nord d'Israël, a été inclus il y a quelques semaines de cela par l'UNESCO dans la liste des sites considérés comme patrimoine culturel de l'humanité. Cette déclaration qui a eu lieu dans la ville canadienne du Québec et qui inclut 26 autres emplacements de par le monde permettra de renforcer le tourisme de cette zone. On estime que l'an dernier, seules 600 000 personnes avaient visité ces jardins qui ornent de haut en bas la colline du Carmel. La religion Bahaï est l'une des moins connues des religions présentes en Terre Sainte. Établie en Iran en 1962, elle est apparue à partir d'une scission de l'islam. Ses fidèles croient en un dieu unique, soutiennent l'unification de toutes les religions, la paix dans le monde, l'égalité entre les hommes et les femmes, ainsi que l'éducation et la justice. Cette religion n'a ni prêtre ni rituel établi. Jusqu'à présent, l'UNESCO avait inscrit plusieurs régions d'Israël comme patrimoine culturel de l'humanité. Dans cette liste sont inclus la vieille ville de Jérusalem, la ville blanche de Tel Aviv, l'ancienne ville d'Akko, la route de l'encens dans le Negev et les villes bibliques de Megiddo, de Hazor et de Beersheba. Les jardins Bahaï s'ajoutent à présent à ces patrimoines qui font la fierté du pays.